Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi, ça m'a pour la caille. Nous venons parler de bataille ça qui a fait, mais qui pourra le faire dans Florida, entre Marco Rubio, actuel sénateur là, et candidat et démocrate, Val Demingue, qui a challenge, qui a derrière pour remplacer Rubio, bien que ce n'est pas donné d'avance, mais est-ce que, eh bien, Val Demingue là, et on dit que. Li tourner vers communauté haïtienne. Et ça, vous connaissez, Laurent Floride ou dit haïtien, li pesé dans balance là. Nous, à peu près 99 jours jusqu'à l'élection midterm, élection parlementaire là, eh bien, Val Demingue, qui c'est actuellement député, qui gagne intention justement pour l'État et battre ou bien l'élection, ça avec l'aide haïtien-américain, leader dans North Miami. Eh bien, il était dans le mouvement de rassemblement, il invoquait campagne, équipe de campagne de Obama en 2008, et il dit que il besoin tout le monde. Tu as gagné des événements qui étaient faits dans Orlando, côté que tu as parlé avec d'autres membres de la communauté, à répondre des questions qui ont rapport avec Haïtiens, qui ont rapport avec immigration, qui ont rapport avec Sanoé et Kai pour minorité ainsi que student loan. Et de même qui t'a parlé, il dit que c'est une course qui pas facile et qui tough. Il dit qu'il reconnaît que le tough, mais il pensait que le capable gagner. Et il dit que personne ne connaît opposant plus que moi. Et Val de même qui t'a parlé avec une foule de business leaders et des séries de officiels locaux élus. Et il dit que nous sommes capables de gagner la bataille, nous sommes capables de gagner, et regardez, même lorsque des gens ne croient pas en nous, et tu gagnes en pile monde, et il dit que lui comptait en pile sous justement communauté haïtienne, pas bon, ici, et dans Florida. Et il faut nous dire que c'est pour deuxième fois, Val Demingue et fait campagne dans, et avec, en fait, dans South Florida avec communauté haïtienne, et quand elle est venue tout accompagner de Harris Kamala, et dans l'interview que le bail, il dit lui-même, il pas, non, tout le monde a fait politique lui-même, ils sont candidats pour Florida, et c'est pour cause des partis qui a parlé là, c'est l'intérêt de Florida. Il dit que en pile le monde tired et de Rubio qui n'a pas ça depuis longtemps, et il dit tout, en fait, quelle que soit l'administration qui a proposé un bagage qui est bon pour Florida, il dit lui-même là bon pour lui. S'il n'est pas bon Floride, il n'est pas bon pour lui. Et il y a des leaders dans la communauté qui disent reconnaissant du fait que Val Demingue était chita avec des Haïtiens et des leaders haïtiens dans la communauté pour t'étendre justement inquiétude et moun sa yo gagné. En fait, il y a un leader haïtien qui t'a parlé, qui c'est Jepsi Metelus, lui-même qui c'est directeur exécutif de Centre haïtien Nebaoud. Un centre qui gagne. Il dit qu'il était content du fait que tu chita avec candidat, qui t'a cherché à comprendre et crise politique et crise humanitaire qui gagne en Haïti. Et il pensait que son candidat qui l'a, qui approchait Captain de le présent, l'a cherché à comprendre et chercher et recevoir, ça veut dire, des suggestions, input de la part de tout le monde. Il appréciait ça de la part de Val Demingue, puisque il dit lui pas jamais joindre ce genre de réaction du côté de Rubio. Et Val Demingue qui a continué à faire campagne à travers cette tête-là pour ce maintenant, il a gagné des réunions additionnelles qu'il a fait avec des communautés de Broward County, et en parlant de et mardi Capvin là, Miami Dade County Commissioner Jean Monestine, qui était introduit Val Demingue et dans un événement, lui remercier pour visite l'IA, lui dit, ou pas facile, ouais, un candidat qui gagne autant de conversations et avec et leader yo concernant Haïti et gagne qui juste vini pour campagne yo, donc demain lui-même li vini pour lui et tande yo. So c'est comme sa situation est là. Maintenant, faut nous que et Rubio ces derniers jours commence à mettre pile dans l'eau, bien que nous avons des sondages qui mettaient en fait qui mettaient li en pourcentage devant, mais nous rendons compte que premièrement Val Demingue bat li nan sa rele race de fond, l'argent a cherché pour faire campagne.
Valdemar bat li tout dans le sens que dans le sens que la reach différents jeunes, lui même critique Valdemar le fait que sur TikTok, il dit et c'est un monde qui a essayé d'utiliser TikTok pour qu'il y ait un campagne là, mais il faut pas oublier que je ne veux dire quel que soit mon nom ou pas qu'il ignore TikTok. Moi même pas sur TikTok, même pas sur TikTok quand même parce que tout le monde sur TikTok et soit ou dans l'élection ou besoin jeune jeune yo. Et si tout ça qui fait que 21 ans, 22, 23 ans, et sur TikTok, ou besoin de ok? So, ça qui a passé là, c'est que Valdemar a utilisé un ensemble de outils. Et c'est dans ce sens-là, Obama a battu tout. Obama, c'est avec différentes plateformes et il a modernisé la campagne. Il a modernisé la campagne. Et c'est une raison qui a fait force Obama dans la campagne. Et Valdemar, c'est ça, la PC fait là tout. Et donner a montré que gagner plus excitement, plus mon yo plus excité de Valdemar parce que ou bien là longtemps c'est comme quoi on dit c'est même bagarre là, pas grand de nouveau, vous comprenez, pas grand effet de surprise, mais ça sont un nouveau leader si un noir qui impliqué gagner plus excitement et la candidature de Valdemar. Mais dans ça qui passé tout c'est que donner ont montré que pas grand qu'une amélioration en matière de pourcentage. C'est dire parler de mouvement et les fait sondage. Yo rendu compte que c'est Valdemar qui a avancé chaque jour plus. Vin jwenn Rubio, pas gen mouvement. Et les fait des enquêtes poser des questions, il a parlé de pourcentage de sanitaire les monde qui favorable avec demain ou bien ça qui favorable avec Rubio. Valdemar bat Rubio. OK, sur plusieurs points. C'est ça qu'on apprend que et soit sur Facebook ou apprend que Rubio effectivement qu'on y est là et l'a demandé aide parce qu'il dit opposant à pas attaquer, lui rendre compte que sérieusement Valdemar a talonné et nous gain 80 et nous gain 99 jours devant nous. Donc et Valdemar qui vini justement mandé communauté haïtienne et support parce qu'il dit qu'on est et ça y représenté, ça y représenté dans balance là. Donc moi personnellement nous toujours dit le pas ici là et en fait tout au moins si yo, n'importe monde qui pro immigrant parce que nous obligé parler bien, ok, faut qu'on comprenne, n'importe monde qui pro immigrant qui retrouve dans bataille ça, effectivement, il faut supporter et un additionnel sénateur démocrate. Parce que réalité, il faut comprendre bien. Si des agendas de démocrates pour vous faire vraiment vrai, vous avez besoin plus que 50, vous avez besoin de 51, vous pouvez comprendre, qui ça tout le temps ou avez des séries de bagages, vous décidez autant de Diomanchin, vous avez dit non. Vous pas compter sur Diomanchin sur plusieurs dossiers. Donc ça, ça veut dire, si les démocrates arrivent à gagner 51 sénateurs simplement, l'Ible dit qui ça? Gagner des dossiers. Yo manchin gen an campé et puis yo fait le budget de réconciliation et puis la paix. Voilà pourquoi nous dit bien tout le monde qui est entré dans la logique que yo trouvé yo membre par entière de communauté immigrant qui inscrit yo dans bataille ça. Alors là, ça c'est bataille par olier. OK. Vous voulez parler bataille en demain. Et Rubio, c'est bataille payo. Si justement, yo espéré un jour que, eh bien, intérêt et immigrant yo et a gagné plus considération, justement, et au niveau du Sénat, l'éclair pour la communauté haïtienne, nous pas baille tête, nous menti. Il y a un pile bataille qu'a fait. Mais l'ordre dit présence communauté haïtienne, nan, c'est deux côtés, vous en pas. C'est New York, c'est Florida. Donc statistique yo pa nan bay menti. Si gon côté nous ka peser nan balance pour nous fond. C'est vrai que gen l'autre bataille sénateur mais nous même nan communauté haïtienne. Si gon côté pour nous faire une certaine présent, c'est m'pa même di New York. Pourquoi ça m'pa di New York puisque républicain ou pa bat koyo pour New York. Républicain yo généralement yo konnen New York pa pour yo. Pa bon républicain al bat kol dépenser pile cob et pour state New York. C'est ça vous comprendre. But ça vous comprendre parce que fait leur regarder et élection du passé combien fois en républicain n'a parlé de au niveau fédéral
arrivé sénateur. Arrivé sénateur et pour New York. OK. Maintenant, ça soit sur Florida. Florida soit fait histoire, il changer du temps Obama, Obama te prendre. Bien que ça a un bon temps là et Florida a une tendance à aller vers républicain, mais tout le monde toujours connaît Florida still un battleground state. Yep. Florida still était un battleground state. Donc d'où l'importance de la communauté. Nous voulons parler, bien entendu, n'a souligner les acteurs. OK, m'a dit par exemple si on prend des haïtiens parce qu'il faut capable faire différence entre identité. Mon n'est pas obligé de sortir en Haïti pour les charrier ça m'a relé les intérêts, les ambitions des immigrants. OK? Il n'est pas obligé. C'est ça où est la démocratie. C'est ça que nous même là n'a parlé là, nous toujours orienter discours nous pour monde qui comprendre orientation nous. Et donc qui explique que penchant nous vers les démocrates, c'est parce que nous identifier bataille immigrants ou avec pas nous et que bataille démocrate aller dans sens ça tout simplement. Donc bataille ça c'est dans nous. Donc et n'a toujours continué justement sensibiliser nous autour de cette bataille et de Rubio de demain et journée jodia et Val de Maine et effectivement vini une véritable menace et que rien n'est gagné d'avance, li faisable justement pour que eh bien Val de Maine et mais ça demande un pile travail. Ça demande un pile sensibilisation, li clair que Rubio assez fort, faut nous d'accord avec ça. Et but Rubio li reconnaître qu'effectivement que Val de Maine a avancé sérieusement dans la bataille là et que le capable faire une différence. Différence avec ce qui c'est pas le fait que Rubio l'a longtemps et qu'il est capable questionner justement ça le fait depuis là. OK? Donc voilà guys et j'en donne à hier. Donc on souhaitait que communauté haïtienne, haïtienne-américaine encore une fois après pour une présent pour que yo livre dans bataille ça pour l'intérêt des immigrants capable de jouer une place li. Encore une fois avec Val de Maine au niveau du Sénat. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.